le droit à un logement décent, accessible au niveau financier, c'est-à-dire à loyer modéré et stable, est un droit fondamental. Quand l'État viole délibérément le droit à l'hébergement et laisse les gens crever dans la rue, c'est inadmissible. C'est pour ça qu'on demande l'application de la loi de réquisition. Si on est en situation de détresse, on appelle le 115, on doit être hébergé immédiatement. On doit bénéficier, c'est dans la loi, d'une proposition d'hébergement, de stabilisation ou une proposition de relogement. Là, l'État, il est en délit. C'est un État en délit qui refuse d'appliquer les droits des personnes les plus vulnérables. Le droit à l'hébergement, il doit s'imposer à toute personne qui appelle le 115. Or, on sait très bien aujourd'hui que le 115 n'est pas, il est dépassé par l'insuffisance de moyens d'hébergement. On prend les sans-abri peut-être pendant l'hiver, au mieux pendant l'hiver, des fois même pas, et on les refout dehors au printemps. Et la rue, c'est la mort. 15 ans d'espérance de vie. Un âge de décès moyen à 49 ans, après des conditions de vie très très difficiles. On n'a jamais compté autant de logements vacants dans notre pays. 3 100 000 logements recensés par l'INSEE en 2017, 400 000 en Île-de-France, 117 000 à Paris. Il faut appliquer la loi de réquisition. C'est une question de vie ou de mort pour des milliers de personnes. La ministre Wargon a dit qu'elle n'était pas opposée à la réquisition, mais que c'était compliqué, que ça prenait du temps. L'ordonnance de 45, non, c'est pas compliqué, ça prend pas de temps. La condition, évidemment, c'est que les administrations se mobilisent. Et ça, c'est au gouvernement aussi de donner les instructions. Aujourd'hui, on remplit des demandes de réquisition. Donc c'est un papier qu'on va ensuite déposer à la préfecture. Et on remplit ces réquisitions de manière massive avec toutes les personnes qui ont besoin d'un hébergement pour cet hiver, qui vont remplir leurs papiers propres. L'idée, c'est vraiment de demander la réquisition des bâtiments pour toute personne qui est à la rue, personne exilée, sans abri, mal logée. Enfin, il n'y a pas de distinction à avoir dans la misère et dans le mal logement. Je vis avec mes 3 enfants dans un F2 et en salubrité. On a l'humidité. Et même l'immeuble est en salubrité, l'arrêté de salubrité. Et on a attrapé l'asthme, moi et mes enfants. J'arrive pas à trouver un rendez-vous à la préfecture, il y a 2 ans. On fait une demande, Bobigny, c'est saturé. En réalité, le fond de la question, il est où? C'est que tout ça, la crise du logement, nourrit, alimente la spéculation immobilière et le logement cher. Plus il y a de gens dans la rue, plus les prix du logement montent parce que les gens sont prêts à payer, c'est-à-dire le mal logement, le sans-abrisme. L'augmentation du nombre d'expulsions, c'est lié directement et ça nourrit la spéculation immobilière. C'est une dynamique terrible, c'est un enchaînement terrible, meurtrier, cynique et qui traduit assez bien aujourd'hui la vision des gouvernements qui sont succédés, qui vont protéger les profits tirés de la rente, tirés de l'immobilier, tirés du logement.